Ce sont des gens qui ne veulent pas faire la guerre. Ce sont des pacifiques. Et s'il le veut, il lui indiquera le moyen de se cacher. 3 jours après, Jean-Marie Vianney se présente à un petit hameau perdu dans les montagnes, dans la commune des Noé. Et la belle-sœur du maire de l'endroit, la mère Fayot, une veuve qui lève plusieurs enfants, le recueille. Elle l'aime bien. Jean-Marie Vianney est devenu déserteur. Saviez-vous ça? Déserteur. Ça fait 1 an que Jean-Marie Vianney vit sous un faux nom, probablement Jérôme Vincent. Il a échappé aux gendarmes. Il a aidé la brave femme qui l'a hébergé en travaillant dans ses champs et en faisant l'école à ses enfants. Et toutes les bonnes gens des environs se sont pris d'affection pour lui et lui pour elle. Alors, Saint-Jean-Marie Vianney est bien mal pris. Il voudrait être séminariste. Il est soldat déserteur. Où est-ce que ça va le mener, tout ça, hein? Toutes les montagnes de France foisonnent d'ailleurs de maquisards comme lui. Et l'empereur Napoléon finit par s'en émouvoir. Comme il a toujours besoin de plus de soldats, mais il préfère passer l'éponge. Il accorde donc l'amnistie à tous les réfractaires comme Jean-Marie Vianney. Alors Jean-Marie Vianney va pouvoir reparaître à la condition que sa famille fournisse un remplaçant. Or, justement, son jeune frère, qui a l'âge d'être conscrit, s'offre à partir pour l'armée. Et Jean-Marie s'arrache aux amis qu'il s'est fait, là, dans la région où il s'était réfugié. Puis il regagne son village natal de Dardilly. Puis tout de suite, il se rend à Écully auprès du prêtre, où il se remet au latin, courageusement. Il aura 25 ans dans 3 mois, puis encore de la misère. Hein? 25 ans, puis il y a de la misère à apprendre des choses. Monsieur Ballet a pris la grande décision, le prêtre. Jean-Marie rentre au petit séminaire pour y faire sa philosophie. Un point, c'est tout. Mais 2 événements ont précédé celui-ci pour Jean-Marie Vianney. Le premier événement, c'est assez déchirant, c'est sa mère, Madame Vianney, qui est morte. Elle laisse le séminariste seul en face de son père. Mathieu Vianney, toujours sourdement opposé à sa vocation. Il y a un autre événement qui est joyeux, celui-ci. Le curé, M. Ballet, a obtenu de lui faire donner le premier des ordinaires, la tonsure. Qu'est-ce que ça veut faire, ça, la tonsure? Qu'est-ce que ça peut faire? Ça se fait plus, ça, je pense. On coupe quelques cheveux du haut de la tête, là, et on forme comme une espèce de rond qui a l'air d'une hostie, si vous voulez, une grande hostie, et on rase ça. J'explique ça pour les plus jeunes qui connaissent pas ça du tout. Des tonsures, ils en ont jamais vu. Les prêtres ne portent plus ça. Les religieux non plus. Quand j'étais jeune, tous les prêtres et les religieux portaient d'immenses tonsures. Ils avaient des couronnes de cheveux, simplement. Eh bien, désormais, Jean-Marie est clerc. Ça veut dire qu'il n'est plus laïque. Il est un clerc. Il est en marche vers la prêtrise, quoi. Mais cependant, les ennuis sont loin d'être terminés. Cette année de petit séminaire n'est pas des plus réjouissantes, loin de là. Parmi les autres élèves, ce pauvre gringalet de 27 ans fait figure non seulement de vieux, mais comme on dit, de piquenot, de queue de classe, comme on dit. C'est tout de même beaucoup pour un seul pauvre gars. Les professeurs ne s'intéressent pas tellement à cette espèce d'arriéré, qui sert de tête de turc aux élèves, d'ailleurs. Alors, le curé d'Ars va avouer lui-même plus tard, « Oui, au petit séminaire, j'ai eu un peu à souffrir. » Ce mot « peu » dans la bouche du curé d'Ars, ça devait être beaucoup, en réalité. En 1813, Jean-Marie Vianney a quitté le petit séminaire avec ses notes. Écoutez bien, c'est son bulletin. « Travaille bien. » Bon, il travaille bien. « Conduite bonne. » Caractère, bon. Écoutez ça. Science, très faible. C'est-à-dire les connaissances, dans ce sens-là. C'est pas brillant, mais on l'accepte tout de même au grand séminaire. Enfin. Mais hélas, à peine entré au grand séminaire, Jean-Marie Vianney retrouve son vieux cauchemar. Imaginez, les cours sont donnés en latin. Comme quand j'étais au grand séminaire en 1950, c'était en latin. Je sais pas si les élèves comprenaient. Quand il étudie la théologie en français,
Jean-Marie se débrouille assez bien. Mais dès qu'on se met à parler latin, il perd pied. Comme on perd des pieds aussi en 1950. Écouter des cours en latin pendant des heures, c'est pas drôle. Dans les cours, il ne saisit que des bribes. Il nage complètement. Il ne comprend même pas les questions qu'on lui pose. Et au bout de 6 mois, on juge son cas désespéré. Le supérieur lui annonce qu'il est renvoyé du séminaire. Imaginez, lui qui va être nommé le modèle des prêtres du monde entier par le pape et renvoyé du grand séminaire. Oui, lui qui sera un jour le patron des curés de l'univers. Après cette catastrophe, les doutes assiègent évidemment plus fort que jamais. Ce pauvre Jean-Marie, Vianney, il songe à devenir frère dans une congrégation. Peut-être chez les frères maristes. Mais le tenace curé d'Écully veut tenter l'impossible. Il reprend Jean-Marie chez lui. On se remet à travailler d'arrache-pied. On mène de pair le latin et la théologie. Et le miracle se produit. 3 mois plus tard, l'abbé Vianney est repris au grand séminaire. Heureusement, et à la fin de l'année, l'archevêque de Lyon et le cardinal Fesch, oncle de l'empereur, oui, le cardinal archevêque de Lyon, c'est l'oncle de l'empereur Napoléon. Il s'enfuit, lui, ce cardinal, à l'annonce de la débâcle de tout le régime napoléonien. Alors, le vicaire général qui le remplace, qui est un bon vicaire général, qui est extraordinaire, doit se prononcer sur le cas de l'abbé Vianney, puis il interroge le supérieur du séminaire, mais demande est-ce qu'il a appris sa théologie. Et on lui répond un peu, mais il n'entend pas grand-chose au latin. Est-il pieux? Bah, il est d'une piété vraiment exemplaire. Ah, ben alors, je l'appelle. La grâce de Dieu fera le reste, dit le vicaire général. C'est une parole prophétique. Alors, le 2 juillet 1814, l'abbé Vianney, par exception, reçoit en même temps tous les ordres mineurs et le sous-diaconat. Ensuite, il est laissé à ce curé, M. Ballet, pour qu'il se perfectionne en théologie. En 1815, l'abbé Vianney reçoit le diaconat le 24 juin, jour de la fête de Saint-Jean-Baptiste, comme vous savez tous. Il subit un dernier examen canonique et le vicaire général constate ses grands progrès. Il lui remet, en nous, les documents qui attestent qu'il est digne de recevoir la prêtrise. Alors il part à pied à Grenoble, où Mgr Simon doit l'ordonner. Quand l'évêque se présente à la chapelle du grand séminaire, on s'excuse d'avoir à le déranger pour un seul ordinant, un seul candidat qui doit être ordonné, prêtre. « Oh, répond-il, un bon évêque, il dit, on ne prend jamais trop de peine pour faire un bon prêtre. » C'est vraiment l'occasion ou jamais de le dire, un bon prêtre. Ce 13 août 1815, à midi, Jean-Marie Vianney est prêtre pour l'éternité. Il vient célébrer sa première messe avec l'évêque. Mais on a réservé à son propre évêque de lui donner, quand il le jugera utile, le pouvoir d'absoudre, parce qu'on ne croit pas qu'il soit capable de confesser. Lui qui deviendra le premier directeur de conscience de son siècle. C'est vraiment le monde à l'envers. Il va devenir le plus grand confesseur de France. 2 ou 3 jours plus tard, le nouveau prêtre regagne Écully. Monsieur Ballet lui ouvre les bras. Il lui apprend la grande nouvelle. L'archevêché a consenti à le nommer vicaire d'Écully. Ils seront donc prêtres ensemble dans la même paroisse. Le prêtre qui a engendré Jean-Marie Vianney au sacerdoce. Alors, le conseil de fabrique, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, tout le monde, là, c'est, disons, les gens qui s'occupent de la paroisse sur le plan financier, allouent 200 francs par an au nouveau vicaire Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars, qui est nommé à Écully. C'est bien trop. Une bonne partie va s'en aller aux pauvres. L'abbé Vianney possède une seule soutane, un parapluie en commun avec son curé. Les jours où l'on reçoit au presbytère, la table est assez correcte, très correcte même. Mais le reste du temps, on y mange que de la soupe, comme les plus pauvres paysans, parce que ces deux prêtres sont de saints prêtres. Le vicaire d'Écully
Jean-Marie Vianney, ne prêche pas très bien, commence seulement à confesser, puis il ne fait rien d'extraordinaire. Mais on le sent quand même soulevé. Soulevé par quoi? Par cette force intérieure qui finit par soulever les autres. Et comme cette force intérieure qui habitait hier, si vous avez écouté, Saint-Philippe Néri. Et avant-hier, cette sainte fondatrice des Sœurs du Sacré-Cœur, Madeleine Sophie Barra. Demain, nous parlerons de ce cœur en parlant du Saint-Suaire de Turin, le cœur de Jésus, que l'on voit saignant sur le Saint-Suaire. C'est le 100e anniversaire demain de la première photo prise, il y a exactement 100 ans demain, du Saint-Suaire de Turin, en 1898, évidemment. Écully, donc, le village, est une paroisse plutôt bourgeoise, peu aristocrate. Tout le monde se souvient bien du petit paysan timide et mal attifé qui est venu si longtemps suer sur le latin chez le curé puis qui n'apprenait pas grand-chose et qui est maintenant vicaire. Alors, n'importe quel autre jeune vicaire comme ça se briserait les ailes, mais pas lui. Ce petit prêtre, qui a une figure d'ascète, a un regard clair. Il est prévenant pour chacun. Il fait si bien son grand métier de prêtre. Et on ne peut pas ne pas l'aimer. Tout le monde, finalement, apprend à l'aimer, sans se poser de questions. En 1817, M. Bally tombe malade, gravement malade. Et tout le long de cette année, l'abbé Vianney assure le ministère à peu près tout seul. En décembre, finalement, son vieux maître le reçoit... Son petit, si on peut dire, l'extrême-onction et le viatique. Il meurt dans les bras de Saint-Jean-Baptiste Marie Vianney. Plus tard, l'abbé Vianney dira en parlant de lui, « J'ai connu un saint prêtre. » En janvier 1818, donc le mois suivant, le vicaire Vianney a tout juste le temps d'ouvrir un nouveau registre paroissial. Un nouveau curé arrive, il apprend quelques jours après sa nouvelle nomination. Il doit partir pour Ars. À Écully, personne n'a jamais entendu parler d'Ars. Ars, qui est situé dans l'Ain. L'Ain, c'est un département dans le sud, là, que je connais bien. J'ai pris des vacances assez souvent, là. Au-delà de la Saône. Le Concordat de 1802 a démantelé le diocèse de Belley et une des portions a échoué au diocèse de Lyon. Mais l'Ain, pour les Lyonnais, c'est un peu la banlieue rouge en ce temps-là. Un pays, une région où on n'est pas tellement chrétien et on croit bien faire en y envoyant les prêtres juger les moins capables. Et l'abbé Vianney en est un celui-là, s'imagine-t-on, un incapable. Ars, c'est pas vraiment séduisant, c'est loin, c'est très loin de ça. Ce n'est même pas une paroisse, c'est une chapelle-nie. Mais le desservant, à cause des habitants, a le titre de curé. Ars compte un peu plus de 200 habitants. Comme vous voyez, c'est tout petit, tout petit. C'est sans doute le dernier poste du diocèse. C'est ce qu'il y a de moins intéressant. Puis en signant la feuille de nomination, le fameux vicaire général dont je vous ai parlé tout à l'heure dit au nouveau, Jean-Marie Vianney, « Il n'y a pas là-bas beaucoup d'amour du bon Dieu. Alors vous en mettrez. » Décidément, ce vicaire général est un prophète. Et pourtant, ce prophète ne sait pas quelle aventure il déclenche en faisant de Jean-Marie Vianney le curé d'Ars. Les habitants d'Ars ne sont pas vraiment des païens. Ce sont plutôt, comme nos chrétiens ici, des chrétiens qui ont perdu le chemin des sacrements. Ils ont perdu en même temps, on pourrait dire, l'amour du Seigneur. Ils ont perdu aussi le respect de leur âme. Ça ressemble beaucoup à Montréal. À minuit, le curé se lève. À 1 heure, il descend à l'église et fait ses prières. Jusqu'à 6 heures, il confesse et il célèbre la Sainte Messe. À 7 heures du matin, il boit un petit bol de lait à la Providence, à l'orphelinat. Puis à 11 heures, confession des hommes. De midi à 8 heures du soir, déjeuner au presbytère, visite des malades, bréviaire, confession pendant 6 heures. À 8 heures du soir, prière publique. Puis homélie au catéchisme, à 10 heures, il est rentré chez lui et reçoit les visiteurs illustres. 1 à 3 heures de sommeil, 20 heures de travail, 15 heures de confessionnal. Et cela pendant 30 ans. On a estimé à plus de 100 000 personnes le nombre de ceux qui se présentèrent au confessionnal,
du curé d'Ars.